Salut tout le monde, bienvenue sur Burger Mobile TV. On se retrouve aujourd'hui pour un petit test express. On est chez 231 East Street pour tester un burger qui est à la carte depuis un certain temps chez eux, je pense. Ils ont finalement pas vraiment de carte, ils ont des hamburgers, des cheeseburgers, des bacon cheeseburgers et il y a un sandwich au poulet que j'ai personnellement jamais testé. On regarde tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un petit pain, donc c'est un pain fait maison, normalement il est passé au grill, comme vous pouvez le voir, il a un petit peu, il a peut-être passé un petit peu trop au grill celui-ci. Il est assez moelleux, il est plutôt sympa, en tout cas je l'avais beaucoup aimé quand j'ai testé le sandwich, c'était un bacon cheeseburger je pense. Donc là j'ai pris des oignons rouges, des pickles, une sauce c'est moutarde miel, et on a un gros filet de poulet comme vous pouvez le voir, un immense filet de poulet qui n'est pas pané. Et en dessous on a du fromage. Et de la salade. Alors on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses en dessous, mais c'est que de la salade. Et de la sauce, toujours moutarde miel par-dessous. Alors vous avez le choix de la sauce. Vous avez le choix, si vous voulez, des pickles, des tomates, de la salade et des cornichons. Voilà, je vais dire des pickles. Alors c'est assez lourd, comme vous pouvez le voir. Il y a quand même ce gros filet qui dépasse. J'espère qu'il est bien juteux, bien tendre, comme je l'attends. On a cette tranche de fromage. Je ne sais pas si elle va rajouter quelque chose. On va voir ça à la dégustation. En tout cas, ça sent très 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 bon. Alors on a ce filet de poulet qui apporte vraiment de la mâche. Je trouve qu'il est un peu sous-assaisonné malheureusement. Peut-être aussi l'habitude de manger des burgers chez McDo, etc. Vous avez un poulet qui est reconstitué et qui est très très assaisonné. Là on a quand même quelque chose d'assez neutre. Heureusement il y a la petite sauce qui est sympa, la sauce moutarde miel, j'aime beaucoup. Et les petits pickles qui rajoutent un peu de piquant. Le fromage est inexistant. La salade apporte du croquant. Elle est plutôt pas mauvaise. Je la trouve meilleure que dans d'autres sandwichs. Je pense que c'est des feuilles entières. Ça change un petit peu la donne. Et on a les oignons rouges qui vont me faire sentir de la bouche toute la journée. Mais j'aime ça. Bon, moi, je vais le terminer tranquillement. Et on se retrouve tout de suite pour une petite conclusion. Allez, à tout de suite! Qu'est-ce qu'on a pensé de ce chicken cheeseburger de chez 231 East Street? Ben plutôt pas mal, c'est assez original de retrouver un filet entier de poulet. C'est assez rare, moi j'ai jamais connu ça, souvent il est soit reconstitué, soit pané, soit autre chose. On a le braiser de chez KFC, je pense que c'est pas un vrai filet de poulet, ou en tout cas c'est peut-être un filet de poulet qui est mariné, il est pas naturel, en tout cas il est très très mou. Là on a quelque chose qui apporte beaucoup de mâche. C'est assez agréable, en tout cas si vous aimez le blanc de poulet. La petite sauce moutarde miel, je vous la conseille. Alors plutôt avec le poulet, je pense, plutôt qu'avec le bœuf. Là, si j'ai bon souvenir, la sauce barbecue est plutôt pas mal chez 231 Street. Donc n'hésitez pas à tester plusieurs recettes. Le seul souci, je dirais, c'est le tarif. 8,50€ le burger seul. Vous avez un menu à 12,90€ ou 12,50€, je ne sais plus, avec frites et boissons. C'est un peu cher. C'est un peu cher, mais on a quelque chose qui est fait à la commande. On a un pain maison, on a un filet de poulet, enfin... Je payerais ça chez McDo pour du poulet reconstitué, un pain industriel, etc. Je trouverais ça totalement excessif. Là, je trouve ça cher, mais voilà. Quelle note je vais lui donner? Je vais lui donner un 15/20, parce que j'ai beaucoup aimé. J'aimerais qu'il soit un peu plus gros et un petit peu moins cher. Mais bon, ça, c'est en tant que client, on veut toujours ça, hein. Et voilà, donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous rappelle, il y a 2 vidéos par semaine. Il fait hyper chaud là aujourd'hui, c'est assez horrible de tourner. Et puis vous pouvez vous abonner et puis nous suivre sur Twitter, Facebook. Les liens sont juste en dessous. Allez, à plus !